survit de cette guerre, vous serez quand même séparés. Si Sauron est vaincu et Aragorn proclamé roi et que tous tes espoirs deviennent réalité, tu devras malheureusement goûter à l'amertume de la mortalité. Que ce soit par les dégâts du temps ou par l'épée, Aragorn mourra. Et rien ne pourra te réconforter. Non mais écoutez-le, on dirait qu'il va nous jouer une de ces tragédies d'elfes. Elfique, mon père. Attends, tu l'as entendu comme moi. Mais s'il est plus dans le coup. Papa, si Aragorn meurt, je peux toujours me trouver un autre homme. Je serai pas la première à le faire, hein. Et c'est ça, la légende et la discrétion des elfes. De toute façon, j'ai préféré vous laisser entre vieux. Mais j'ai même pas 28 ans. Tu es au milieu de zéro derrière ma cocotte. Mais chut! Une lady ne donne jamais son âge. Elle se rend compte que c'est elle-même qui vient de le donner. Enfin bref, revenons-en à nos dragons. Partons à la conquête des hommes. Regarde, là-bas. Non, non, non. Par là. Regarde. Où ça? Où ça? Là. Pas mal du tout. Laisse faire les coups. T'as de beaux yeux, tu sais. Et les rayons X, ils sont fournis avec? Ah, mais par la barbe de Gandalf, t'as rien trouvé de plus mauvais. T'as qu'à le faire, c'était si doux que ça. Faut tout faire soi-même. Dis-moi, mon chou, c'est quoi ton nom que je t'ajoute sur Redbook? Comment ça, t'as pas Redbook? Alors t'as pas non plus de fanpage? Ah là là, mon chou, faut vivre avec ton temps, hein. Celui-là, je suis sûre qu'il ait été élevé par ton père. Et en plus, c'est ton frère qui m'aide. Mais je fais comment, moi, pour me trouver un mari? Arrête-moi si je me trompe, mais... Ton mari n'est pas encore mort. Ça ne saurait tarder. On les a applaudis très fort. C'était Éowyn et Arwen, du Seigneur des Anneaux, participantes au Pic 4.